Donc, on revient sur ce sujet parce qu'en deux minutes, effectivement, on ne le traite pas, sur qu'est-ce qui se passe effectivement à l'arrivée du premier enfant. Tu avais expliqué qu'effectivement, il y a une espèce de conjonction du père et de la mère vers l'enfant, mais que ça, quelquefois, elle n'était pas tout à fait du même agabi d'un côté et de l'autre. Qu'est-ce que tu as d'autre à dire à ce propos? Voilà, évidemment, il y a l'histoire perso de chacun qui va entrer en ligne de compte. Si ou le père ou la mère a une problématique d'abandon, ça va être, il peut se mettre en rivalité, il peut se sentir délaissé. Mais c'est juste l'arrivée de l'enfant qui révèle cette problématique d'abandon. Et de jalousie, et où à ce moment-là, l'homme, c'est généralement l'homme qui se met quand même plus souvent dans cette posture-là, va ne pas réussir à savoir trouver sa place, va se mettre ou en compétition avec la mère ou en compétition avec l'enfant. Voilà, c'est une nouvelle situation qui se met en place. Évidemment, si, par exemple, je repense à un client, qui avait été élevé par sa mère seule, quand sa femme a accouché, il est devenu gâteux de son môme, il a trouvé que c'était formidable d'avoir un môme. Il s'est mis à regarder sa femme comme une mère potentielle, enfin une mère formidable, mais il n'avait plus du tout envie de faire l'amour avec sa femme, ce n'était plus un objet de désir. Ce qui était évidemment extrêmement douloureux pour la femme. Donc elle devenait mère, et dans le statut de mère, elle devenait mère. Elle cessait d'être sa compagne, en fait. Voilà, quelque part. Et lui, il arrêtait d'avoir du désir pour elle parce que c'était une mère. Voilà. Il se trouve que c'était un homme intelligent, conscient, et qui s'est dit il y a un truc qui déconne, je vais faire une thérapie. Et que donc il est venu en thérapie et qu'il a pu travailler sur son histoire et dépasser ça et continuer une relation de couple, reprendre une relation de couple sympa avec sa femme. Mais voilà, s'il n'avait pas fait ça, le couple était quand même mal barré.